Soundcheck. Vous écoutez l'histoire de Gainsbourg, la vie de Gainsbourg. Je veux bien faire un flashback sur ma vie. Ma période militaire, qui a été une période donc carcérale et féodale, à vivre, c'est pas si dur que ça. Parce qu'en fait, c'est une des périodes les plus belles de ma vie. Ça, c'était donc en 48, c'était donc caserne de Charras. Je crois que je suis allé étrangler une gonzesse. J'étais à un jour d'être déserteur. Et je reviens, on fait retirer ma cravate, les lacets des souliers et. Au trou, convoqué chez le lieutenant-colonel. Et supervisé par un capitaine. Pour voir si j'allais pas dire des conneries. Si j'allais être correct. J'étais correct, j'ai dit la vérité. La vérité, c'était pourquoi vous êtes-vous tiré? Je voulais baiser. Et donc, le capitaine, vous êtes incorrect avec le lieutenant-colonel. Je dis, je suis pas incorrect, je dis la vérité. Bordel. J'ai pas dit bordel, mais j'ai dit la vérité. Allez. Alors là, camp de frileuse, c'est-à-dire les paras, camp disciplinaire. Et là, je me mets à m'intéresser à la mitrailleuse légère et je deviens un tireur d'élite. Et je me souviens très bien, il y a le tireur, c'était moi, et il y a le pourvoyeur, c'est le mec qui envoie Astros, et puis le chef de tir qui est le sergent. T'étais para? J'ai sauté, oui. Des gonzesses. Il y avait un canard de Charras. Ça, c'est un plan extraordinaire. Le misérable casernement des visites. Et en face, et le sergent de service surveillait donc les entrées. Une gonzesse vient me voir. J'étais en tri. Et je me fais tailler une pipe dans la salle des visites. Il n'y avait personne. Sauf que c'était en croissant parce qu'on. Mais le sergent me voyait à 3 mètres en face. La fille était sous moi. Et je le regardais dans les yeux. Et quand j'ai envoyé la purée, j'ai pas mangé. C'était grandioso, ça. Grandioso. Oh, c'était magnifique, c'est la pipe sublime. Je prenais mon pied et je regardais dans les yeux. Mais il a rien vu. C'est ça qui était extraordinaire. Extraordinaire, il n'y a rien vu. Il me regardait méchamment, il n'y a rien vu. Les mecs, vous avez un scoop là, hein, les enfants. J'ai jamais raconté cette histoire. Jamais. Je veux bien faire un flashback sur ma vie. Ma période militaire, qui a été une période donc carcérale et féodale. Vraiment féodale, c'est terrible. Le mec qui te dit à poil ou qui te dit je suis le capitaine, je suis le lieutenant, je suis le sergent, debout là-dedans. Et puis lever le drapeau, c'est terrible. Mais non, mais ça c'est pas un trou de balle, c'est un trou de balle, je veux dire, Magnum, c'est du champagne. Bon, à vivre, c'est pas si dur que ça. Parce qu'en fait, c'est une des périodes les plus belles de ma vie. Maintenant que j'ai 56 ans, je le sais. C'est l'époque où il n'y a pas de gonzesse. Il y a des pulls. Il y a